Amis, frères et sœurs, l'évangéliste Marc nous offre un récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem bien orchestré. Tout y est. Les préparatifs minutieusement décrits, avec cette annonce sur laquelle personne n'est jamais monté. L'entrée dans le temple de Jérusalem, certainement sur le parvis et non pas à l'intérieur, puisque le chœur et cet accès n'est réservé qu'aux prêtres. Et puis, il y a cette petite phrase de conclusion, précisant que Jésus retourne à Béthanie. Trois noms de lieux sont énoncés, Bethphagée, Béthanie et le mont des Oliviers, les lieux centraux dans le drame qui va se jouer. Trois lieux géographiques qui ont leur importance. Béthanie, de d'abord, c'est l'endroit de l'amitié et du ressourcement avec Marthe et Marie. C'est l'endroit où, dans l'évangile de Jean, Jésus ressuscite Lazare. Béthanie, c'est aussi le lieu de l'onction de Jésus par cette femme anonyme dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, mais prénommée Marie, sœur de Lazare, dans l'évangile de Jean, qui va répandre un parfum de grand prix sur les pieds ou sur la tête de Jésus, suivant les récits, symbolisant déjà son ensevelissement futur. Béthanie, littéralement la maison des pauvres. C'est aussi l'endroit où Jésus annonce à ses disciples que justement, ils auront toujours des pauvres parmi eux, mais que lui, Jésus, ils ne l'auront pas toujours. Le mont des Oliviers, alors c'est l'endroit où Jésus se retire pour avoir un dernier entretien avec ses disciples, pour veiller et prier, juste après avoir partagé le repas de la Pâque. Il chante des psaumes et Jésus prie son Père d'éloigner de lui la coupe des douleurs, mais il s'en remet totalement à la volonté de son Père. C'est aussi l'endroit où Jésus sera arrêté. Et la mention de Bethphagée, qui veut dire la maison des figues, comme anticipation du figuier maudit, quelques versets suivants, et qui est une métaphore du temple. Dans les autres chapitres de l'évangile de Marc, Jésus était sans cesse en mouvement entre la maison, la synagogue, la barque, les champs, les chemins, mais maintenant tout se resserre entre Jérusalem, Béthanie et le temple. Et justement, après son entrée dans Jérusalem et avant de retourner à Béthanie, Jésus regarde tout autour de lui. Il regarde la ville. Il regarde les hommes et les femmes qui y sont avec ce regard que j'imagine profond et pénétrant et qui laisse supposer qu'il sait tout de chacun jusqu'au profond, plus profond de lui-même. Il sait tout, du mauvais de l'être humain comme du meilleur, bien mieux que l'être humain ne le sait lui-même. Et en même temps, en regardant profondément tout ce qui l'entoure, Jésus ne juge pas, mais il se donne. Et par ce regard, il donne sa bénédiction sur toutes et tous. Il n'ignore pas de quoi les jours suivants seront faits pour lui. Livré, condamné à mort, crucifié, il sera offert à tous les bras étendus sur une croix, grands ouverts sur la multitude, afin que personne ne soit privé ou exclu du don qu'il fait de lui-même. Personne ne le sait encore. Personne ne veut le savoir, d'ailleurs, mais lui le sait. Malgré son corps éclaté, écartelé sur la croix, sa vie donnée pour tous et pour chacun, c'est l'amour de Dieu pour tous et pour chacun. C'est sa bénédiction sur nous tous et sur chacun. Et j'ai écrit cela en pensant au tableau de Dali, le Christ de Saint-Jean de la Croix de 1951, surplombant le monde, symbolisé par le lac et la barque, les bras étendus parallèles à la croix, en signe de bénédiction sur le monde, avec un corps sans clous ni blessures. Chacun pourra le recevoir le moment venu comme une bénédiction dans sa propre vie.
La scène des préparatifs de l'entrée annonce celle des préparatifs du dernier repas. C'est maintenant le temps de l'accomplissement. Laissez entrer le roi de gloire, chantait déjà le psalmiste. Mais le psalmiste ne savait pas qui serait exactement ce roi de gloire. Alors, comment cette entrée va-t-elle se faire? Et Jésus indique à deux de ses disciples ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent dire. D'abord, se procurer un âne. Ici, c'est immédiatement un ânon. Il mentionne aussi l'objection qui ne manquera pas d'être dite lorsqu'ils le prendront. Et les disciples trouvent toutes ces choses comme Jésus le leur indiquait. Ainsi, l'évangéliste Marc suggère-t-il que Jésus sait vers quoi il va et il ne reculera pas conformément aux trois annonces de la Passion qui précèdent. Vous direz, le Seigneur en a besoin et c'est le mot de passe pour signifier cet accomplissement en marche. Laissez entrer le roi de gloire. Si les propriétaires consentent à donner l'annonce, c'est non seulement parce que le Seigneur en a besoin, mais c'est aussi et surtout pour un autre accomplissement, suggéré dans l'évangile de Marc, mais cité explicitement dans l'évangile de Matthieu, la prophétie de Zacharie. Dites à la fille de Sion, « Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Il s'agit d'une prophétie ancienne, celle de Zacharie à l'époque d'Alexandre le Grand, mais le contexte n'est pas le même. Les campagnes militaires d'Alexandre n'ont rien à voir avec la mission de Jésus, mais en son temps, Zacharie prophétise la venue de quelqu'un qui fera régner la paix et rétablira la justice, selon le cœur de Dieu. Cette personne ne viendra pas au temps d'Alexandre. Il faudra attendre plusieurs générations avant qu'elle ne se réalise avec Jésus entrant à Jérusalem. L'expression « Seigneur » employée deux fois dans le texte de Marc, l'une à propos de l'âne et l'autre pendant les acclamations, est un titre christologique. Ainsi, l'évangéliste Marc montre qu'en Jésus, c'est Dieu lui-même qui marche et entre à Jérusalem. Laissez entrer le roi de gloire. Mais qui est-il? Qui est ce roi? Quelle est cette gloire? Jésus ne possède rien. Il n'a même pas un lieu où reposer sa tête. Il a besoin d'un ânon à emprunter à quelqu'un d'autre. Quelques jours plus tard, Jésus empruntera une salle pour le repas de la Pâque. Et ces détails sont là pour illustrer la pauvreté, l'humilité de ce roi qui entre à Jérusalem. Et pourtant, Jésus est accueilli comme un roi, ou plutôt comme le sauveur, ainsi que l'indique ce petit mot, Hosanna, transcrit de l'hébreu, Hoshiana, qui est une invocation à Dieu pour qu'il garde et sauve les pèlerins montant au temple de Jérusalem. Ici, cette acclamation s'adresse à l'envoyé de Dieu. « Sauve-nous !» est en train de crier la foule. Elle voit en lui un sauveur et elle a raison. Laissez entrer le roi de gloire. La gloire de Jésus ou la vocation de Jésus de Nazareth, c'est d'être l'incarnation de l'amour de Dieu pour nous tous. C'est de nous attirer ou de nous tirer à Dieu et de nous amener à lui afin que l'éloignement entre Dieu et nous soit comblé. L'éloignement entre Dieu et nous n'est dû qu'à nous-mêmes ou alors aux règles religieuses qui ont toujours une bonne raison de rejeter ou d'exclure. Jésus avait déjà dit à Zachée, le juif, mais collecteur d'impôts, « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. » L'important, c'est d'être trouvé, et même peut-être d'être retrouvé, afin d'être accueilli, et même dans certains cas, d'être recueilli. Et c'est ce que Jésus vient faire à Jérusalem. Avec ses disciples, et aujourd'hui avec nous,
Il vient jusqu'à cette ville qui fait autorité, la ville de toutes les références où la loi de Moïse est reconnue et suivie. Et à Jérusalem, hier comme aujourd'hui, on sait ce qui est bien ou mal, juste ou injuste, pur ou impur. C'est à Jérusalem qu'au temps de Jésus siège le Sanhédrin, conseil supérieur religieux, assemblée suprême des Juifs qui avaient le droit de décision en matière civile et religieuse. Jésus vient au cœur de la foi juive, mais aussi au cœur de la domination romaine. Jusqu'à présent, Jésus était ailleurs dans le pays, loin de la capitale. Maintenant, il est au cœur du monde, de tous les mondes. Au milieu du bon et du mauvais rassemblés. Accueillir Jésus, c'est accueillir le salut. C'est accueillir la bénédiction de Jésus par la foule. Cet accueil est toujours d'actualité. Aujourd'hui, il vient rencontrer notre foi et celle de nos contemporains, toujours aussi grosse qu'une graine de moutarde. Mais si nous choisissons un jour de mettre le Dieu de Jésus-Christ dans notre vie, et dans notre foi, alors nous serons poussés à notre tour dans nos retranchements. Il nous faudra supporter les gestes de Jésus qui dérangent, venant renverser nos tables de marchandage, nos tables de compromission et de querelles. Il viendra aussi nous poser la question sur lui et vous, aujourd'hui, qui dites-vous que je suis ? Et les questions de Jésus seront alors radicales et nous ne pourrons pas les éviter. Nos réponses seront hasardeuses, hésitantes, peu fiables, tant qu'elles n'auront pas fait l'objet d'une véritable conversion. Et cette conversion est celle-ci : consentir à être autrement et à aimer autrement. Être et aimer en vérité. Selon la vérité du Christ. L'amour de Dieu pour les hommes a été déterminé de toute éternité. La Bible nous dit que Dieu nous a tout donné, y compris la possibilité de se détourner de lui, de le rejeter, de le renier. Mais il a donné aussi cette possibilité de l'aimer et surtout d'être aimé par lui en premier et ainsi d'être sauvé par l'amour que les hommes sauront lui porter en lui, en le donnant aux autres. Dieu s'en remet aux hommes de génération en génération. Et à partir de Jésus, il nous demande de transmettre cet amour par toutes les formes et en bénissant à notre tour. Certes, Jésus a l'initiative de nous sauver. On peut l'accepter ou non, on peut y consentir ou non. Nos vies sont si contradictoires et si sinueuses. Et nous sommes tellement influençables par d'autres tentations. Il reste toujours ce cercle vicieux de la haine, de la violence, de la rancune et la détestation. C'est la spirale du mal, du mauvais, de la violence, ou de cette vengeance à perpétuité, ce malheur qui peut s'amplifier jusqu'à l'extrême, comme l'histoire ne manque pas de nous faire connaître, tant pour le passé que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais il existe aussi le cercle vertueux, comme celui dont Jésus a l'initiative. Je viens vers toi, je te regarde, et je te vois encore mieux que tu ne te vois toi-même. Tu n'es pas réduit à ce que tu penses ou à ce que tu fais. Tu portes en toi quelque chose de plus grand que toi. Tu te découvres aimé et tu peux aimer à ton tour. Voilà ce que Jésus inscrit dans le cœur de celles et ceux qui le voient entrer à Jérusalem. C'est à nous d'en continuer cette inscription dans le cœur des hommes, à commencer par le nôtre. C'est cela, être sauvé. L'entrée de Jésus à Jérusalem me sauve de moi-même. Laissez entrer le roi de gloire. Mais pour être sauvé, en l'occurrence par Jésus, il faut se trouver et se reconnaître dans la situation d'être perdu. Et ce n'est pas aussi simple que cela. Parce que, nous sommes plutôt dans la tendance d'être sûrs de nous.
Nous aussi, nous avons des normes dont nous sommes certains, nous avons des lois que nous respectons la plupart du temps. Nous pensons que nous en savons assez pour ne pas avoir de leçons à recevoir des autres, en tout cas certainement pas d'un plus petit que nous ou quelqu'un de différent de nous. Nous avons tant de mal à être bousculés, bouleversés dans nos façons d'agir et de croire. Nous nous complaisons pour la plupart du temps dans un certain immobilisme et nous n'aimons pas être déplacés malgré nous. Mais si d'aventure, à notre tour, nous accueillons Jésus à Jérusalem, ou finalement dans notre vie, quelque part c'est la même chose, eh bien nous sommes bénis par cette entrée de Jésus, malgré ce que nous sommes, ou plutôt mieux encore, avec ce que nous sommes. Alors, à notre tour, nous jetons nos vêtements et des branches partout pour lui ouvrir la route. Il me semble que nous devons le faire, ne serait-ce que pour retrouver la modestie de notre vie, autrement dit, prendre la juste mesure de notre vie. Si la grâce de Dieu est pour tous, et donc pour moi, et qui me sauve, alors je reconnais aussi que cette grâce me donne la possibilité, l'ouverture d'accepter qu'un autre, même un que je réprouve, un parmi ceux que je condamne d'habitude, soit sauvé aussi par ce même amour. Et bien sûr, cela m'ouvre à quelque chose que je n'avais pas prévu de moi-même. Le désir de bénir même celui que je n'approuve pas. La bénédiction de Dieu pour moi à travers le Christ me renvoie au fait que je puisse être moi aussi capable de bénir. Et c'est là que je découvre ma propre humanité. Avons-nous ce sentiment d'être portés par la bénédiction de Jésus et par conséquent de la bénédiction de Dieu dans nos vies ? Peut-être avons-nous envie de répondre non. Pourtant, il me semble que c'est cela la foi. La foi, c'est ce sentiment d'être porté par la bénédiction de Dieu. Et finalement, c'est ce que nous disons chaque fois que nous osons un petit « je crois ». Bien sûr, il ne s'agit pas de croire que l'on est parfait, ni même que nous sommes les élus. Il s'agit au contraire de prendre conscience qu'on pourrait être détesté, haï, maudit, persécuté, même par certains selon les béatitudes, et qu'avec tout cela, nous pourrions nous sentir perdus. Mais il y a un acte gratuit de la part de quelqu'un qui se donne. Il y a aujourd'hui un acte libre et le don d'une vie qui vient dans ma vie à moi, comme Jésus entrant à Jérusalem, qui vient me relever, me sortir de la boue. Il y a une parole qui me murmure à l'oreille, comme à la vôtre, « Tu es une nouvelle créature ». Jésus, en entrant à Jérusalem, vient insuffler une nouvelle vie en moi, en chacun de nous. Il nous aide à respirer plus profondément, pour chanter avec la foule « Hosanna au plus haut des cieux ». Alors, mon frère, ma sœur, mon ami, toi aussi, tu peux laisser entrer le roi de gloire dans ta vie, car il vient et il est là, non pour être servi, mais pour te servir et t'aimer tel que tu es. Amen.